qu'on devrait être connu d'utilité publique. Allez, toi, et pourquoi ça, s'il vous plaît? Tu imagines tout ce qu'on a déjà raconté ici, sur Bruxelles, à tous ceux qui savent jamais de rien. D'utilité publique? Ma femme ne va jamais vous voir, ça. Elle préfère que je reste d'utilité privée. Mais c'est pas ça que je veux te dire, hein. Non, ce qu'il faudrait, c'est que les générations futures se souviennent de notre formidable contribution à la culture française. Oui, enfin, s'ils payent déjà une demi-gueuse ou deux, on sera déjà content, hein. Attends, moi je te parle ici de passer à la postériorité, hein. Moi je préfère de passer au café pour pouvoir m'asseoir sur ma postériorité. Ce qu'il faudrait, c'est que notre rapport à la bruxellitude soit coulé dans le bronze du marbre. Tu veux quand même pas qu'ils mettent notre posture au milieu de la grande place? Eh, pourquoi pas? Notre souvenir, figé dans une posture grandiose, mais néanmoins modeste, témoignera par son inébranlable immobilité de l'énormité de notre humble apport. Oui, et à Bruxelles, l'immobilité, ça on connaît, sauf justement pour les statues. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Mais tu sais quand même qu'on est la seule ville à avoir des monuments à roulettes. Oh, fridique, j'avais pas pensé à ça. Avec cette manie qu'ils ont de bouger toujours les monuments. Allez, la fontaine en spectre de la place de Brocaire qu'ils ont été mettre au pied aux briques. Et la fontaine de Brocaire dans la porte de Namur qu'ils ont déplacée pour mettre juste en face du stade Baudouin. Et l'autre stouffer d'alchimiste Charles de Lorraine, sa posture. Détrôné de la place royale où ce qu'ils ont mis Gottfried Bouillon à sa place. Exilé derrière le musée d'art ancien. Avec tout ce déménagement, hein, il y a de quoi perdre sa tête, hein. Oui, et alors c'est pas parce que t'as plus ta tête, hein, que ta statue est la meilleure statue, hein. Non, on dit, allez, souviens-toi, les comtes d'Egmont et de Hans qui étaient tranquillement installés sur la grande place et qu'ils ont dû prendre leur clic et leur claque, hein, et bertaf, ils se retrouvent les pieds dans l'eau, petit salon. On se demande vraiment à quoi ça sert de faire tout ça, hein. C'est peut-être pour que ces statues s'embêtent pas à rester toujours sur le même endroit. Ouais, allez, on va dire que finalement, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir son statue à Bruxelles, hein. Parce que si c'est pour bouger tout le temps, et finalement se retrouver au fond d'une stroche, où t'as jamais personne qui vient te voir, j'aime encore autant me figer devant une demi-gueuse, hein, ou deux. Allez, un dernier conseil pour terminer, hein. Si toi aussi tu veux rester duré dans la postériorité, tout en ne restant pas figé dans l'immobilité, hein, viens à Bruxelles, hein. Tu vas voir, ça va aller comme sur des roulettes, hein. Allez, à bon entendeur, salut, and the cost. And the wind and the